Bravo, monsieur le maire. Bon, il n'y a pas parlé. Je serai bref, peut-être, j'en sais rien. Parce que hier, déjà, on a resté au moins une demi-heure à évoquer tous les souvenirs dont il vient de parler. C'est vrai que même avec monsieur Harris, il était le même quand il était petit. Et après l'école, il avait aussi bien avec Aimé Barrel et tout le reste. On va faire les dictées à la maison pour mon père. On va parler. Voilà. Etc. etc. Et tu as parlé de Jean-Louis aussi, tu étais surtout avec Jean-Louis, Georges. C'était une période qui a été certes très difficile pour toi et que nous tous connaissons. Et c'est pour ça qu'on t'aime bien en plus. Merci. Parce que on sait d'où tu viens et on sait ce que tu as fait. Et c'est ça qu'il faut reconnaître en toi, que tu as été un peu testard. Oui, de la volonté, c'est vrai. Que cette volonté s'est transformée, si tu veux, depuis le petit triporteur jusqu'à maintenant où tu organises des manifestations très, très culturelles, surtout quand elles sont accompagnées d'un monsieur que je connais parfaitement bien, monsieur Bélébéton, qui s'est lui aussi aidé même par son père. Je me souviens la première fois que je suis rencontré notre papa, je me souviens. Il m'a parlé de l'amitié qu'il avait avec mon grand-père, il avait pour mon grand-père, mon frère plus, c'était donc dans le vieux soir. C'était des vieilles histoires qui se sont rencontrées au fur et à mesure de la vie, qui étaient faites comme ça et qui font la richesse des rencontres, parce qu'on s'aperçoit que, au fond, on est soit très très petit, partout où on va, on rencontre quelqu'un que l'on connaît. Et « Ah, mais tu étais de l'escalade ? Ah, mais j'y suis passé, je suis allé. » Et je reconnais, et là, Céline, avec surtout le président Génésie, le fait d'avoir fait le pôle connecté, le fait d'être passé aussi, de mettre tout ce qu'on a mis là-haut, au point de vue électricité, pour les vélos électriques, etc. La publicité qui a été faite aussi dans le cadre du tour, vous avez vu que l'escalade était bien marquée, comme étant presque un point, important de beaucoup de touristes donc dans l'arrière-pays de Monaco, etc. Ben, c'est le but, c'est ça. Il y a 20 ans, tu t'en souviens pas, mais quand on allait à la foire exposition, les gens, quand tu étais là, l'escalade, c'est où? C'est sur le paillon. Mais il est où le paillon? La connaissance de la vallée du Paillon en 2000 s'arrêtait en gros à une chose, à la pharmacie de Comte, on connaissait la pharmacie de Comte, et au champ. Et c'était tout. Au champ, ça avait bien appris. Donc c'était tout. Parce que pourquoi la pharmacie de Comte? Parce que c'était la seule du département qui était ouverte 365 jours sur 365, 24 heures sur 24. Donc, vous êtes malade, l'autre jour, ma fille était malade, donc à Saint-Laurent-du-Var, elle a été pharmacie de garde pour Saint-Laurent-du-Var, compte. Donc grâce, malheureusement, grâce à ça, la présence des gens du corps médical, eh bien, ce qui fait qu'on a été connu, notre présence pendant 20 ans avec Séborga, que vous connaissez tous aussi, ça a été un grand plus, parce que pendant 20 ans, on a fait une distribution de mimosa à la foire, et les gens ont connu, ils avaient des chapeaux, l'escarène, c'est pour gars, et on a fait connaître notre valeur. Et je pense que maintenant, on est de mieux en mieux connu, et cela fait plaisir. Ce qui me fait plaisir, c'est que quand tu rencontres souvent les gens ces temps-ci, tu dis, ah, mais c'est propre à l'escarène. Enfin, nous, parfois, on trouve que souvent pas, mais les gens nous remercient, c'est-à-dire de notre village, nous félicitent de la tenue de notre village, et souvent, les citadins eux-mêmes ne sont pas très contents, ceux qui compréhensibles. Parce que parfois, il suffit juste de, on va dire, de 2% de la population qui laisse divaguer le chien et tout le reste, on ne remarque que ça, et non pas les 98% de positifs. Alors, tu es dans le positif, tu as été dans le positif depuis très très longtemps, avec Richard. Grâce à M. Bonaldi. Ah, je lui rends hommage. C'était mon instituteur. Et moi, c'était Madame Véroula. Tu as eu toi peut-être aussi, non? Ouais.
J'ai vu au début quand j'étais à la table. Moi, je suis rentré chez M. Merlier. Ouais. Voilà. Tu étais plus jeune. Tu es plus jeune. Moi, j'ai eu besoin de ce bureau-là. De moi, monsieur, vous avez eu. Ah, je ne sais pas. Voilà. Eh bien, c'était comme quoi les enfants de l'escalade ont tous bien appris. Mais ben, si, il n'y a pas de problème. On a eu des bons instituteurs. On a eu de très bons instituteurs. C'était très bien, c'était comme ça. Guillaume, Clapier. Voilà. Et je pense que là, on ne va pas parler d'autre chose, mais l'enseignement est quelque chose qui nous fait encore plus aimer le beau. Et à cette période où il y a les Jeux Olympiques, bon, il y a eu une belle manifestation d'ouverture. Il y en a qui sont beaux pour ce qu'on rencontre. Il y a eu, paraît-il, un repas à l'Élysée qui s'est produit avec Jupiter qui était en bleu. Mais à part cela, tout le reste était, je trouve, absolument correct et magnifique. Et surtout le final avec Céline Dieu. Alors Céline Duquesne, je pense que tu as appelé Céline Dieu. Non, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Elle a les mêmes initiales. Donc, c'était merveilleux. Cette montgolfière qui a mené cette clarté, comme souvent dans les tableaux qu'on voit là, comme ça, en faisant un petit tour, on voit plein de clarté, de beauté qui. Eh bien, c'était magnifique. Hein? Et si, il faut, je veux dire, aimer le beau, et c'est ce qu'il faut. En tout cas, un grand merci à tous les artistes, un grand merci à Céline Sipidor, à mon ami Richard, représentant. Je suis Jean-Yves, comme mon confrère a dit. Après, je te raconterai quelque chose. Et à tous les anciens, monsieur et madame Benedetto, parce qu'il n'y a pas de bon artiste s'il n'y a pas une dame qui est à côté, n'est-ce pas? Qui lui permet de sortir, d'aller faire ce qu'il a envie. Voilà. Je n'en sors plus. Non, après avoir remercié mon épouse, qui est pour le coup de main qu'elle nous donne, et à l'aimer des détours, je passe la parole à madame, c'est une conseillère départementale représentante, monsieur Charles, et monsieur Eric, surtout. Moi, je vais juste dire deux petits mots si ça va pas. Cher Alain, c'est un grand plaisir pour moi. Chaque année, en fait, tu viens à l'Escalène. L'année dernière, c'était pour un concert sur la place, le soir. Et pour nous, en fait, c'est toujours merveilleux en fait, d'amener la culture en tant que département. Je parle aussi au nom de Charmant-Ginésie, puisqu'en fait, le département a une politique culturelle très grande et très variée dans tous les domaines. Et de nous ramener en fait cette culture dans notre village, dans notre petite chapelle, mais si jolie, ben moi je trouve ça merveilleux. C'est un grand merci, en plus ça représente notre pays niçois, notre beau pays niçois, avec nos racines, nos sources. Et je voudrais vous remercier. C'est la coqueluche, je te reprends, parce que j'ai la coqueluche. Moi j'ai la cisane. Mais vous, je voudrais sincèrement remercier nos artistes féminines, ici présentes, de ramener en fait aussi leur cachet dans notre chapelle des pénitents noirs, ici pour agrémenter en fait aussi toute la collection d'Alain. Donc un grand merci à vous et un grand merci à tout le monde de rester toujours aussi nombreux et présents pour ce vernissage d'Alain Bideau. Voilà, merci beaucoup. À l'entrée, vous avez le petit prince, c'est madame. Donc, alors, il y a monsieur Jean-Pierre Mussini, je ne sais pas si. Oui, il nous a fait la vélo. Voilà. Le vélo sera la route du Touette de l'Escalade. Ah oui, voilà. Grâce à monsieur Rosquetin, parce que j'ai plutôt. Il m'a contacté en fait pour parce qu'en fait il nous a offert un vélo en hommage à Vito, hein, avec le numéro 38 dessus,
Et parce qu'on m'a demandé souvent en fait pourquoi il y avait ce numéro-là. Donc c'était le numéro du vélo de René Vietto. Et donc il était jaune, et donc le département a fait toute la structure pour poser le vélo. Et c'est une œuvre de plus qui agrémente l'escarène, puisque en fait donc on m'a proposé de savoir en fait où on devait le poser. Et Charles Genesi m'a dit clairement, bah, ça serait bien de le mettre au départ du col connecté, au départ du col de Brosse. Et moi j'étais contente puisque c'était sur la commune de l'Escarène. Voilà. Voilà, très bien. On est maintenant, on va se... Ouais, parce que c'est très bien.